Good morning, Aliden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat, apparemment, de Chai Ben Israël, Vafani et Dvora Batester. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Evamot, Perikut Dalet, Mishnah Gimel. Shne Achim, Chereshim, Nesuim, Lishte Achayot, Chereshot. Ou Lishte Achayot, Ikhot. Lishte Achayot, Achat, Chereshet, Vachat, Pikachat. Ou Shte Achayot, Chereshot, Nesuot, Lishne Achim, Pikrim. Ou Lishne Achim, Chereshim. Ou les deux achim, un chéresh et un pikeach, arelu pturot min achalitza min haibum, im hayon ochriyot, ichnosu veim ratzu leotzi, yotziu. On continue à parler de notre chapitre, le perek achéresh. On parle des halachot particulières, des sourds qui se marient, soit parce que les sourds ne peuvent pas se marier min haTorah, on parle de sourds de naissance, ou en tout cas des sourds dont le... surdité atteint leur cerveau au point de ne plus être des gens assez bardat, assez réfléchis, responsables de leurs actions. De ce fait, ils ne peuvent pas se marier min haTorah parce qu'ils sont considérés comme un enfant aussi, qui manque de dat. Malgré tout, Chachamim leur ont instauré qu'ils peuvent quand même se marier. Midei Rabbanan. Du coup, notre chapitre maintenant s'occupe de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il va y avoir des causes de yiboum avec des cas pareils. On va y aller, on va partir du facile au plus compliqué. On va commencer avec la première Mishnah, c'est un cas simple, Réchina Sapikachat. Maintenant on va déjà commencer avec deux frères et deux sœurs. Mais pour le moment, quoi qu'il arrive, il n'y aura que des Kiddushin de Rabbanan dans la prochaine Mishnah. Regardez la longueur de la prochaine Mishnah, elle va être très très longue d'ailleurs. Et là, en fait, on va parler de tous les cas, ça va pas être compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de comprendre la différence entre deux les cas, tellement tout va se ressembler. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir maintenant, de principe, de manière générale, lorsqu'il y a deux frères qui sont mariés à deux sœurs, des vrais adultes tout à fait normaux, eh bien, le fait, quand il y en a un qui décède sans enfant, l'autre, elle va être dispensée du hiboum. Logique, non? C'est normal, on connaît ça depuis la première Mishnah. Chamesh Asanashim, Otro Tsaroten. Le fait que maintenant, on est... moi, je suis marié avec une femme, si j'ai sa sœur qui va tomber en hiboum, puisqu'on a une relation d'inceste entre nous, on peut pas faire, on est dispensé de la mise à deux hiboum. Logique. Et qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque les deux sont mariés que midei Rabbanan? Parce qu'en fait, ils sont tous les deux mariés à deux sourdes, soit parce qu'eux-mêmes sont deux sourds, soit même si c'est deux gens normaux qui sont mariés avec deux sourdes, ou soit même il y en a un normal et un qui est sourd et qui sont mariés avec deux sourdes. Bon, forcément, c'est tous les cas de la Mishnah en fait. D'accord? On fait ça dans les mots, regardez. Et donc le principe, il va être quoi? Pour le moment, on parle que de Kiddushin Midei Rabbanan. Midei Rabbanan, je suis marié avec une femme. Que Midei Rabbanan, il y a une autre femme qui vient, que maintenant, elle est scoukale et hiboum, elle attend que je fasse le hiboum. Midei Rabbanan, on va dire, bah écoute, elle est dispensée de la mise de hiboum pour le moment. Parce que c'est la sœur de ma femme. Même si tout est que Midei Rabbanan, c'est pas grave. Ok? Après, quand on aura la dernière phrase, on fera une petite pause, on explique un petit peu mieux la fin. Shnei Achim Chereshim, deux frères sourds. Nesouim, qui sont mariés, soit l'ishte achayot chereshot, soit à deux sœurs qui sont sourdes. Ou l'ishte achayot pikrot, ou bien même à deux sœurs qui sont tout à fait normales, mais eux-mêmes sont sourds, ceux qui marient. Ou l'ishte achayot achat chereshot vachat pikachat. Ou encore qui sont mariés à deux sœurs, il y en a une qui est normale et une qui est sourde. Ou encore. Ou l'ishte achayot chereshot. Ou bien, qu'inverse. C'est pas que les deux sont forcément sourds, mais c'est que les deux hommes sont forcément sourds, les deux frères. Olishte achayot chereshot. On va parler de deux sœurs qui sont sourdes. Nesuot qui vont être mariées, lishne achim pikrim, à deux frères tout à fait normaux. Ou encore lishne achim chereshin, deux frères complètement sourds. Ça revient que c'est le même cas qu'on a déjà évoqué avec les deux sourds, c'est le même. Olishne achin, ou qui sont mariés avec deux frères, donc echad cheresh ou echad pikach. Un qui est normal et l'autre qui est sourd. D'accord? Quel que soit le cas, dans tous ces cas de figure, Arelu pturot mina chalitza ou mina iboum. Lorsqu'il va y avoir un frère qui va décéder sans enfant, eh bien, sa femme, lorsqu'elle va se retrouver maintenant devant son beau-frère, elle sera dispensée de la mitzvah de iboum. Il n'y aura pas besoin de faire non plus de chalitza. Pour quelle raison? Parce qu'elle est la sœur de sa femme. Même si tout n'est que midei rabbanan, c'est pas grave. Les mariages sont des rabbanan. Le iboum, il est censé être des rabbanan. Le iboum, il est dispensé à cause du mariage des rabbanan. Ok? Maintenant, la Mishnah continue en disant une autre phrase.
Phrase importante pour comprendre ce qui va se passer un petit peu dans la prochaine Mishnah, même si c'est pas compliqué. Mais, si toutefois on parle maintenant que les deux femmes, c'était pas deux sœurs, c'était deux étrangères. Soit on a deux frères sourds qui sont mariés avec deux étrangères. Qu'elles soient toutes les deux sourdes, qu'elles soient toutes les deux intelligentes, qu'il y en ait une intelligente, une sourde, ça ne change rien au problème. Que de toute façon, puisque les frères eux-mêmes sont sourds, donc ils font des mecs d'équilogine comme Midera Banan. Et bien, Michel me dit, tu sais quoi? Lorsqu'il va y avoir maintenant sa belle-sœur qui va tomber en hiboum devant lui, cette fois-ci, il va pouvoir la prendre, en théorie. Donc, il va la prendre et il lui donnera un get-siv. C'est-à-dire, en fait, la Mishnah, en fait, elle vient entre les deux, mais il va prendre autre chose. Il ne pourra pas lui faire la khalitsa. Même si c'est des kiddushin que midirabanan. Il ne pourra pas lui faire la khalitsa. Attendez, il me manque un petit élément tout de suite. D'accord, c'est pas grave. Donc il pourra pas. Non, il se retrouve avec. Non, je reprends. On a les deux frères sourds. Ouais. On a les deux frères sourds. Il y a maintenant deux. Chacun était marié avec une femme différente. Un qui meurt pour son enfant. L'autre, il va pouvoir faire le hiboum à sa belle-sœur. Parce qu'il peut se marier avec les deux femmes sont deux étrangères. Et pire que ça, il ne pourra pas faire la khalitsa. Il y a un problème technique pour lequel il ne peut pas faire la khalitsa. Parce que lorsqu'on fait la khalitsa, il faut dire des choses, il faut entendre des choses, il faut qu'il y ait un dialogue. Or, avec un sourd, on va avoir un dialogue de sourd. Donc il n'y aura pas de dialogue, on ne pourra pas faire la misa khalitsa. Donc le seul moyen en fait de permettre sa femme, sa belle-sœur, c'est que tout d'abord qu'il la prenne en femme, qu'il passe le hiboum, mais seulement après, même si c'est comme Midrabanan, il n'y a pas de khalitsa, même si on ne peut pas. Pour faire la khalitsa, il faut pouvoir parler. Il faut dire, il y a tout un texte là-bas que l'homme doit dire, la femme doit dire, comme on l'avait déjà appris plus haut. Et du coup, là, ils ne pourront pas le faire. Donc en fait, la seule solution de la libérer, c'est de la marier. D'abord de lui faire le hiboum. Et une fois qu'il a marié, il pourra lui donner un guet. Et pourquoi le guet il marche, de nouveau, même si lui-même il est sourd, puisque son frère il a marié Midrabanan, alors son frère il peut aussi divorcer Midrabanan. Ok? Ça marche? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.